galère, est-ce que tu allais te fourrer? Daté de Megisys, autrement dit 1800, l'une des fates.
passé tant de choses. Thank you.
Ah, enfin, je t'impressionne. On va te sortir de là. Ah, désolé, désolé. Bon, on dirait que ta carrière de danseur est foutue. Allez, allez. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas nous tuer! Je vais pas m'en sortir, Lara. Prends les outils. Je ne pars pas sans toi. Hey, c'est pas tous les jours qu'on peut mourir en héros. Les autres ont tué. Vas-y. Un vieux journal. Rapport. Des ruines dans la vieille base. Contrôler les tempêtes. Il me faut des réponses. Une tempo de sourd.
devait frapper ce... Lara. En entendant l'explosion, on a cru. Alex ? Il était encore à bord. On dirait que ceux qui t'approchent te trouveraient ont toutes les chances d'y passer. Eh ben, garde tes distances. On va d'abord manger un peu. Ces salopards nous fichent la paix, mais ça risque de pas durer bien longtemps. Quitte à mourir sur cette île, autant mourir le ventre plein. Pour retrouver le moral, y a pas mieux. Enfin, quelque chose de positif. Quand Reyes aura réparé le bateau, nous retournerons à la civilisation en un rien de temps. Alors, nous aurons des choses à raconter. Tu parles. Je ne veux plus jamais entendre parler de Himiko. On peut sortir le bateau à marée haute. Non, on ne peut pas. Recommence pas avec ces conneries, Lara. Lara n'est pas la seule à penser que nous sommes prêts au piège. Mathias était peut-être fou, mais il en était convaincu. Je l'ai vu dans ses yeux. Il croit que la résurrection de Himiko lui permettra de quitter cette île. Ça n'a pas de sens. Rien sur cette île n'a de sens. Ces tempêtes ne sont pas naturelles. Personne ne peut nier ça. Elle a raison. Quand l'Endurance a été prise dans la tempête, je l'ai ressenti. C'était vivant. Cet endroit est maudit. Où est-ce que tu vas ? Aux ruines derrière la vieille base, sur les falaises. Quelque chose leur a fait croire qu'ils pouvaient contrôler les tempêtes. Il faut que je sache ce qu'ils ont découvert. On partira dès qu'on sera prêt. Que tu sois là ou pas. Je ne pars pas sans toi.
T'as tout ce qu'il te faut? Oui. Dès que j'aurai réparé cette pièce, il ne restera plus qu'à nettoyer les soupapes. La grotte a servi de lieu de culte. Ils doivent utiliser cet endroit pour stocker de la nourriture. Qu'est-ce qu'ils font ici? Ça ressemble à une pêcherie.
chambre des rituels du monastère. Il faut réparer ce bateau. Je ne sais pas encore comment je vais convaincre les autres de remonter la rivière plutôt que de partir au large. Mais il faut que j'y arrive. C'est surtout Reyes qu'il ne sera pas facile de persuader. Elle veut rentrer auprès de sa fille. Et la mort de Ross l'a bouleversée. Comme nous tous. Je ne sais toujours pas pourquoi Mathias voulait enlever Sam. Mais pour le moment, peu importe. Elle est avec nous maintenant. Elle est à l'abri.
inutile de cadeaux offerts. Après la le tombeau doit se trouver dans les miroirs. Non, il est bloqué. C'est là que je dois aller. Je suis sur la bonne voie. Je dois juste trouver un moyen de faire descendre mon charge avec plus de...
recharge sera dégagée. Casque de la dynastie. Des guerriers. Ils étaient dans le tombeau de la reine. Ils la protégeaient. Et ça, c'est toi. Tu étais une sorte de général.
C'est beaucoup. Pourquoi ? Magnifique. Ah, toujours coupante. J'ai déshonoré ma reine. Le rituel a été corrompu. La prêtresse savait que seule la mort la sauverait et a donné sa vie. L'âme de la première et dernière reine est désormais prisonnière d'un corps sans vie. Sa rage provoque les tempêtes et ne s'arrêtera que lorsque son âme quittera cette terre. Mes gardes-tempêtes ont juré de la protéger. Ils devront continuer. Sans moi. Son âme reste prisonnière d'un corps sans vie. Voilà d'où viennent les tempêtes. Pour arrêter ça, il faut détruire le corps dans la chambre des rituels. Il faut que j'arrive à convaincre les autres. Merde. J'ai pas... Oh non!
a besoin d'aide. Oh non, mon sang, non. Il faut absolument que j'y retourne. Yes, tu es blessé. Merci. Cette fois, j'ai vraiment cru que c'était la fin. J'ai vu personne. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Whitman. Il a emmené Sam pendant l'attaque. Il va sûrement la ramener à Mathias. C'est notre faute. Oh, merde. Enfin, c'est ma faute. Alors on fait quoi? On peut prendre le bateau et chercher de l'aide. Eux aussi, ils y ont cru. Tu avais raison pour Whitman, mais... Mais tu as vu les tempêtes. Elles ciblent les bateaux qui s'approchent. Des scientifiques qui étaient là pendant la Seconde Guerre pensaient que les tempêtes étaient contrôlées depuis la chambre des rituels qui est près du monastère. Je n'ai pas toutes les réponses, mais l'enlèvement de Sam est lié à tout ça. Et si on essaye de partir sans comprendre pourquoi, on mourra tous. Comme les pilotes. Et comme Ross. Bon. Je sais pas ce qui se passe, mais... Elle a peut-être raison. On ne peut pas retourner à la forteresse. C'est du suicide. Ce n'est pas là qu'ils vont. Ils vont l'emmener à la chambre des rituels. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir se rapprocher. Écoute, je sais bien que tu veux retrouver ta fille. Je comprends, tu sais, mais le combat n'est pas fini. Je ne te demande pas de me croire, Reyes. Je veux que tu me fasses confiance. Ok. On va mettre ça à l'eau. Ok, Lara. Dès que tu seras prête, monte sur le bateau.